Oh là là, et qu'est-ce qu'ils sont moches aujourd'hui? Oh, je suis trop moche, quoi. Et celle-là, la tenue. Mais c'est pas vrai. Une bonne fois pour toutes, mademoiselle, les carreaux et les rayures, ça ne va pas ensemble. Ah, enfin, en voilà un pas trop mal. C'est vrai qu'il est mignon, ce con. Y a pas. Les pantalons en cuir, c'est sexe. Ah ouais, non. Attends, c'est le piège à pétasse, ça. Non, pas pour mon homme. De toute façon, je sais même pas pourquoi je dis ça, moi. Quel homme? Hein? Ah, un ticket. C'est vrai qu'il est mignon. Ouais. Juste ses pattes un peu trop longues. Sinon, ça va. Qu'est-ce qu'il dit? Le code de la route. Je rêve. À son âge, même pas son permis. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Le beau gosse, mais un brin neuneux, quoi. Ou alors c'est l'artiste fauché qui a jamais eu de sous de côté. Un assisté. Ou un attardé. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as à la compte? C'est peut-être la transmission de pensée, en fait. Je suis sûre que ça existe, ce genre de mec. Des marabouts. Un marabout blanc, bon à croquer. Miam, miam. Hé, tu veux que je te suce? Les annonces de boulot de la semaine, c'est tout ce que j'ai. Bah, je vais les relire. Ça t'évitera de mater l'autre attardé en cuir. Arrête de le reléquer en coin comme ça, il va te prendre pour une minette en chaleur. Bah, il s'en va. Ah bah non, il est perdu, pauvre petit. Mais il veut un guide, peut-être. Ça tombe bien, cherche du boulot. Oh la vache, le paquet. Oh oh, dis donc, il est équipé, lui. Ah bah, sa nana doit pas s'emmerder. Eh bah, je vais tirer le signal d'alarme. Ah, bah, Vigipirate est formel, hein. Quand on voit un gros paquet, faut tirer le signal d'alarme. Ah, et puis ce cul. Remarque, le mien aussi, il est pas mal. Attends, bouge pas, machin. Non, mais... Quoi? Il te plaît pas, mon cul? Tu crois qu'il y a que toi qui as un beau cul? Ah, le con, il manque pas d'air, lui. J'ai un PD. Ouais, gros paquet. T'es PD? Bon, allez, tu sors de ton code de la route, mon petit. La madame, elle va te montrer la route à suivre. Oh, c'est par là. Mais... Il s'en va, comme ça? Il sait pas à côté de quoi il est passé. C'est con. En plus, il avait de belles mains. C'est bien, les mains. Il paraît que la longueur de je ne sais plus quel doigt, c'est proportionnel à la taille de... Tu m'étonnes qu'il avait de longs doigts. Mais ça va plus, toi. Hein. Oh là là, je veux un mec. Je commence à vieillir. Passer 30 ans, c'est plus la même. Avant, je lui aurais souri, je lui aurais fait comprendre, et puis paf, il aurait accouru. Vieillie. Pourtant, on dit malheureuse en travail, heureuse en amour. Bon, eh bien, c'est que tu vas le décrocher, ce poste. Oui, 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 je suis nulle avec les mecs, mais avec le boulot, je vais cartonner, tu vas voir. 3000 euros par mois, c'est pour moi, ça. Bah, il est toujours là? Il se fout de moi. Oh là là, c'est un signe. Ah bon, tu réagis, là. Tout à l'heure, j'ai dit que t'étais un PD et un neuneu, mais je ne pensais pas. Je le retire. Allez, dégaine! Oui! Oui! Ah, oh, le bobiquet t'a assuré comme une bête. Fernand Léonard. C'est un prénom là qu'on prend maintenant. Fernand Léonard. Ça me rappelle quelqu'un. Fernand Léonard, Léonard Cohen, Léonard de Vinci, Léonard de Vin, le copain de Dorothée. Salut les filles, je vous présente mon nouveau mec. Waouh! Quel beau gosse! Ouais, puce paquet! Et ouais, c'est tout pour moi ça! Allô? Oui, bonjour, c'est Fernand Léonard. Bonjour. Hein? Quoi? Je vous entends pas très bien. Comment il a eu mon numéro? Fernand. Fernand Léonard. Comme Fernand... Oui, voilà. Nous avons rendez-vous pour le... Bonjour. Bonjour, oui. Et je suis un peu en retard. Mais j'arrive. Merde. Tout de suite, hein, j'arrive. C'est lui mon rendez-vous de boulot? Allô? Je vous entends plus. Allô? Allô? Non. Attends. C'est mon rendez-vous de boulot? T'es pas dans la merde, Madoro. Mais oui, mais il va pas donner un poste de responsable d'agence à une allumeuse. Parce que là, tu l'as carrément allumé. Et vas-y que je me trémousse, et vas-y que je me mette de la lèvre. Mais je fais jamais ça, d'habitude. Et là, je me pavane comme une dingue devant mon futur boss. Bon, t'es quelle sortie? Mais je suis où, là? Je me suis trompée de station. Je me suis trompée de station. Je me suis trompée de station. Mais quelle gourde!